Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon, très intéressant. Alors, elle est sortie comme ça, alors je ne sais pas comment la mettre, mais celle-là, c'est sûr qu'elle est sortie inversée. Allez, je la mets droite. De toute façon, on va interpréter les deux. Donc, j'ai le diable et le pape. Je ne sais plus ce que j'en ai. Bon, je disais bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin. Ouais, 8 d'épée inversée, ouais, on se libère. On se libère tranquillement, petit à petit, avec les 8 d'épée inversées. Oui, on se libère, on trouve des solutions, on trouve des options, on reprend le contrôle. Oui. On reprend le contrôle. 6 de pentacle. Alors peut-être qu'on vous soutient. Peut-être qu'on vous soutient pour ça. Peut-être qu'il y a de l'assistance. Peut-être qu'il y a de la générosité avec le 6 de pentacle. C'est possible. Après, ça peut être une dépendance. Ah oui, c'est possible. Et comme j'ai le diable, je vais quand même le dire. Mais ouais. Le 6 de Pentacle, ça peut être une dépendance. Donc, il faut peut-être chercher à sortir d'une dépendance. Mais on a l'huile des perversés. Donc, on trouve des solutions, on trouve des options, on trouve de l'aide, peu importe. Alors, le diable et le pape. Intéressant, ça ne va pas du tout ensemble. Hein oui. Alors, est-ce qu'on vous encourage à communiquer avec quelqu'un? Est-ce qu'on vous encourage à avoir des échanges sains, voyez, avec quelqu'un? Ah, c'est possible. Ah, c'est complètement possible. Ah ben oui. Après, si ce n'est pas ça, il y a peut-être des choses qui vont se résoudre, mais non sans mal. Non sans mal. Il y a peut-être une phase plus calme qui est annoncée pour vous. Pour moi, le pape. Alors, le pape, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Le pape, pour moi, c'est le conseil, l'enseignement, l'apprentissage, l'union, le partenariat, le contrat. Pour moi, c'est ça le pape. Et donc, il est inversé. Bien d'accord. Et donc, il est inversé. Est-ce que vous voulez sortir d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, de quelque chose comme ça? Ouais. Est-ce qu'on veut reprendre une indépendance? Possible avec le 6 de Pentacle et le pape inversé. Et donc, bah, j'ai le diable. Alors, est-ce que vous désirez reprendre une indépendance? Ou alors, est-ce qu'il y a une dépendance affective? Est-ce qu'il y a de l'addiction? Est-ce qu'il y a de la domination? On va regarder. Alors, quand je dis de la domination, ce n'est pas forcément quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ça peut être des pensées négatives. Hein. Des fois, on peut être dans la négativité. Oui. Donc, on doit se débarrasser de ces... parfois, on peut être dépendant à l'auto-sabotage, voyez-vous. Bon, ça n'aide pas, hein, mais des choses qui arrivent. On va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer du 19 au 25 juin. Ok, très bien. Oh. Bon, allez, je les mets droites comme elles tombent de travers. Allez, j'ai le cavalier de pentacle. De toute façon, on les recouvre. J'ai le cavalier de pentacle et j'ai le chariot. C'est bien, ça, le chariot? Ben, c'est bien parce que ça avance. Alors, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça avance quand même. On est sur la bonne voie. Allez, cancer. Cancer, 19 au 25 juin. Allez, je les prends. Roi d'épée. Valet de coupe. Quatre de coupe. Oh, reine de bâton. Elles sont toutes droites, dis donc. Valet d'épée. Ah ben, elles sont toutes droites, ma fille, elle a parlé trop vite. Ouais, deux de bâton. Hésitation. On hésite à se lancer avec le deux de bâton inversé. Oui, on hésite à se lancer. Et à mon avis, vous hésitez avec la carte du fou. Alors, peut-être que vous avez peur d'y aller. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le courage d'y aller. Hein. Bah, des fois, hein, voilà, hein. C'est des choses qui arrivent. Ouais, parce qu'on ne se lance pas dans cette nouveau départ. Dans cette nouveau départ, dans ce nouveau départ. On ne se lance pas dans ce nouveau départ. On a peur de l'inconnu. On peut manquer d'expérience si c'est professionnel. C'est un exemple. Hein, mais c'est possible. Oui, le fou inversé. Alors, on pense qu'il manque. Est-ce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose pour vous lancer? Est-ce que vous avez des blocages? Vous vous dites peut-être que ce n'est pas le bon moment. Ouais, il y a une peur bien profonde, peut-être d'aller de l'avant. Possible. Valet d'épée. Alors, valet d'épée, ça peut être le fait d'avoir de la patience, peut-être, qu'une patience est nécessaire, qu'il faut communiquer, que vous attendez des nouvelles et que ces nouvelles sont retardées. C'est aussi possible. Après, si ça ne vous parle pas, pour moi, le valet d'épée, c'est le nouveau projet. Oui, le besoin de changement, le nouvel objectif. On démarre quelque chose de nouveau avec enthousiasme, avec énergie.
Le valet d'épée, il vous encourage à passer la première, malgré des obstacles qui pourraient vous bloquer. Il met en valeur la communication. On a peut-être besoin d'échanger avec certaines personnes, de partager des choses, de communiquer. Peu importe. Peu importe. Ouais, comme ça, quand je regarde votre guidance, elle a l'air plutôt positive, les cancers. Alors, cavalier de pentacle et le chariot. Le cavalier de pentacle et le chariot. Ouais, je vais commencer par le chariot. Ouais, j'ai envie. Parce que le chariot, c'est le mouvement. On va vers le succès. On va de l'avant. On sort de sa zone de confort malgré les obstacles qui peuvent nous bloquer. Tant pis. Tant pis. On y va quand même. C'est vraiment ça, le chariot. Oui. De toute façon, on va tout droit vers le succès, généralement, avec la carte du chariot. Et j'ai le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est doucement mais sûrement. On est sur la bonne voie avec ce cavalier de pentacle. Alors, oui, il faut peut-être encore persévérer. Il faut peut-être encore travailler. Il y a peut-être encore un peu de labeur, vous voyez. Oui. C'est quelqu'un d'efficace, de méthodique, de pragmatique. C'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui n'a pas peur de multiplier les efforts pour arriver à ses fins. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps d'évaluer intensément une situation, peut-être avant de vous investir. Alors, je ne sais pas, avant d'y investir votre argent, avant d'y investir votre temps, avant d'y investir votre énergie. Peu importe. Mais ce ne sont pas des résultats immédiats, le cavalier de Pentacle. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Il aime la routine. C'est moche, mais il y en a, ouais. Et déteste les surprises inutiles. Alors peut-être qu'on vous dit pour l'instant, les cancers, d'être patient, de persévérer. Alors si c'est par rapport à des blessures, le cavalier de Pentacle peut dire que le temps cicatrise les blessures. Mais c'est vraiment la persévérance, quoi qu'il en soit, pour atteindre un objectif. Alors peu importe l'objectif. Il faut persévérer, mais vous êtes sur la bonne voie, je le répète, avec le chariot. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, vous allez aller de l'avant. C'est peut-être votre calme et votre sérieux qui seront vos meilleurs alliés. Aussi. Aussi possible, oui. Complètement possible. Roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Roi d'épée, il veut prendre des décisions. Vous voulez recadrer quelque chose, vous voulez prendre des décisions. Alors après, j'ai pas la carte de la justice, autrement, le roi d'épée peut être un avocat, un notaire, un conseiller, enfin peu importe. Mais moi, je pense que vous voulez rester détaché dans une situation spécifique. Oui. Peut-être que le détachement, c'est ce dont vous avez le plus besoin pour l'instant. Oui, peut-être que vous voulez prendre des décisions fermes, inflexibles. Si c'est professionnel, peut-être qu'on veut un poste de chef d'entreprise. Enfin, je veux dire qu'on veut être chef d'entreprise, qu'on veut commander, qu'on veut diriger. C'est une possibilité. Mais pour moi, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. On ne veut plus rester coincé, vous voyez. On veut prendre des décisions importantes. Oui, on veut planifier l'avenir, mettre des plans à exécution. Peut-être ne plus être dans la confusion. Complètement possible. Ouais. Votre défi, c'est le valet de coupe. Bon, c'est pas mal comme défi, le valet de coupe. Valet de coupe. Alors, valet de coupe, ça peut être de nouveaux sentiments, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle attitude. Et c'est votre défi. Alors, votre défi, c'est soit peut-être de communiquer de nouveaux sentiments, peut-être d'aller vers de nouvelles idées, peut-être d'aller vers de nouveaux projets ou d'avoir une nouvelle attitude. C'est peut-être. Oui, c'est aussi possible. Donc, c'est ce qui vous aide. En tout cas, pour moi, c'est le fait aussi, le valet de couple, de valet de coupe, oh là là, d'aller vers une nouvelle situation aussi. Oui. On avait le fou tout à l'heure. Hein, on n'y allait pas trop vers cette nouvelle situation, il me semble. Hein, on avait. Ouais, je ne suis pas. Parce que j'ai. Non, on ne l'avait pas. Si. Je me disais quand même, on avait le fou inversé. Donc effectivement, on n'y va pas vers cette nouvelle situation. On ne se lance pas dans le vide avec le fou inversé. Et peut-être que le valet de coupe ici vous demande de le faire. C'est votre défi. Oui. Peut-être quelque chose pour l'instant qui est peut-être encore pas complètement mature. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui est peut-être encore un peu instable. Mais pour moi, oui. Relation amoureuse nouvelle, valet de coupe, situation professionnelle nouvelle, peu importe. Alors, c'est peut-être ce que vous désirez plus que tout, hein. Alors, est-ce qu'on veut sortir d'une relation pour aller vers une autre? Est-ce qu'on veut sortir d'un travail pour aller vers un autre? C'est possible. C'est complètement possible. Mais ouais, il y a quelque chose qui s'annonce plus intense sur le plan social ou sur le plan. Oh, bah, sur le plan amoureux, hein, bien évidemment. C'est possible. Adapté à votre situation. On prend ce qui parle et uniquement et ce qui parle. Est-ce que vous êtes, c'est le 4 de coupe.
Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. C'est de sortir d'une lassitude. C'est de sortir d'un ennui. C'est de sortir d'un mécontentement. C'est ça, le 4 de coupe. Oui, ouais. D'arrêter de vous replier sur vous. D'arrêter de vous ennuyer fermement. De retrouver certaines satisfactions. Ouais. Peut-être que vous avez l'impression que quelque chose vous manque à votre bonheur. Avec le 4 de coupe ici, on peut ressentir certains blocages. On peut avoir de l'amertume, bien évidemment. Mais moi, je pense que ce qui vous aide, c'est peut-être de réévaluer une situation. C'est vraiment l'espoir d'un changement de situation, hein, pour moi, le 4 de coupe, quoi qu'il en soit. Oui. Oui. Donc, ouais, on peut sortir de quelque chose de chiant, d'ennuyeux. Oui, c'est ça. Peut-être que vous devez retrouver un peu de motivation. Gardez les yeux ouverts, hein, bien évidemment, hein, parce que s'il y a quelque chose qui arrive à vous, si on a les yeux fermés, ben, si vous avez les yeux fermés, vous n'allez pas voir. Et oui, parfois, on se replie sur soi-même, on est dans ses regrets, dans ses déceptions, dans son chagrin, dans son tout ce que vous voulez, et il y a des trucs nouveaux qui passent devant vous, puis vous ne les voyez même pas. Ou des personnes, bien évidemment. Hein. Reine de bâton. Reine de bâton, super, bah super, bah ouais, parce que la reine de bâton, elle avance, homme ou femme, c'est ça les cancers, la reine de bâton, oui, elle rassemble autour d'elle, elle lance de nouveaux projets, elle concrétise des rêves, elle n'hésite pas à se lancer, elle n'hésite pas à se lancer, pas comme vous, et oui, c'est ça la reine de bâton, elle avance, elle craint aucune menace, elle est forte, indépendante, elle sait ce qu'elle veut, c'est la confiance, la reine de bâton vous donne l'assurance, les cancers, que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. C'est idéal si vous souhaitez lancer de nouveaux projets. Alors oui, particulièrement professionnels, mais pas que, pas que. Il faut être prêt à passer à l'action pour moi. Oui, pourquoi je garde cette carte? Moi, n'importe quoi. Il faut être prêt à passer à l'action, les cancers. Je vais recouvrir le diable et le pape. Allez. On recouvre le diable et le pape. Ah. Bon. Tiens donc. Tiens donc. Eh ouais, 7 d'épée inversée. Avec le 7 d'épée inversée, on tourne une page. Oui. On tourne une page avec le 7 d'épée inversée. C'est ça. On prend conscience de quelque chose et on tourne une page. Et on avance. C'est le plus important. Le plus important, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est d'avancer. C'est ça. Ouais. La mort, bah oui, il y a un changement. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On va en parler de la mort. J'ai de nouveau le cavalier de Pentacle avec le diable et le pape. Donc, effectivement, je vais le répéter, cavalier de Pentacle, il parle de persévérance, il parle de patience, il parle que le temps cicatrise les blessures. Oui, on persévère pour atteindre un objectif. Et là, j'ai la mort, cette transformation, cette fin inévitable. Quelque chose doit mourir. On doit laisser quelque chose derrière soi. Quelqu'un, peu importe, du passé ou pas. Chacun, voilà, chacun sait ce qu'il doit laisser derrière lui ou derrière elle. Mais c'est vraiment ça. Oui. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer pour vous de manière importante, les cancers. Oui, vraiment. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose. Oui, oui. Il y a des choses qui peuvent vraiment évoluer très positivement, qui peuvent devenir plus stables. Peut-être que. Il est possible que certains cancers tirent un grand bénéfice d'un remaniement important dans leur vie. Peut-être que vous revivez. Peut-être que vous permettez de faire des choses que peut-être que vous, je sais pas, vous n'osiez pas faire ou vous aviez peur de faire. C'est un peu ça quand même, cette guidance. Elle est super positive, je le répète. Ah oui. Je continue. Non, j'ai envie d'en remettre une avec le diable, le pape et le cavalier de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une quand même. Ok. Vous voyez ? On lâche pas l'affaire. Waouh, super, 9 de coupe, le vœu réalisé, la joie, le rêve,
la réalisation, le bonheur, l'accomplissement, le succès, comme le chariot, le succès avec le 7 de bâton, vous pouvez arriver à cette satisfaction, à ce bonheur, à cet accomplissement, à ce succès si vous ne lâchez pas l'affaire. Non, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. Non, on est droit dans ses bottes. On maintenez le cap. Affirmez-vous peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça. On ne lâche rien. Non, on ne lâche rien. On persévère parce que vous allez y arriver. Reine de coupe. Reine de coupe, reine de coupe, reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un d'intuitif, parfois clairvoyant. Ça favorise les amours et les amitiés, la reine de coupe. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous donne des bons conseils. Ça peut être quelqu'un qui, oui, qui vous donne des bons conseils. Après, peut-être que il est possible que certains cancers sortent, alors pour certains ou certaines, qu'on sorte de souffrance affective, qu'on sorte ouais, d'un truc émotif pas très sympathique, c'est complètement possible, hein, ouais, avec le diable et le pape inversé. Mais ouais. La reine de coupe, généralement, elle laisse parler son âme et son cœur. C'est ça, oui. Peut-être, oui. Moi, je pense que la reine de coupe vous dit d'écouter votre intuition. Je vais continuer. Cette fois-ci, je continue. Je recouvre le cavalier de pentacle. Ouais, il y a eu un truc super. Ah mais super, mais génial le 9 d'épée inversé. Ah mais complètement, complètement. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est ça le 9 d'épée inversé. Oui, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est le aller mieux, se remettre, se débarrasser du stress. Ah oui, très bonne chose. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe inversé. Alors est-ce que vous avez été déçu de quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, je vais être pentacle. Alors, cavalier de coupe, le chevalier romantique. Ouh. C'est aussi l'intuition, c'est aussi l'émotion, c'est aussi l'idéalisme. Le cavalier de coupe, c'est ça. Hein. Le cavalier de coupe. Alors, est-ce que vous êtes face à une situation ambiguë? Oui. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a apporté son lot de déceptions. Peut-être que vous cherchez. Alors, peut-être qu'il y a des cancers qui cherchaient un engagement véritable. Oui. Oui. Alors, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un de gentil, à l'écoute, mais qui ne veut peut-être pas s'engager sur le long terme. C'est possible. Oui. Ouais. C'est possible. C'est pas possible. Après, si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être tendance à l'hyper-émotivité. Avec le cavalier de coupe inversé. Ou alors, vous n'arrivez pas à suivre vos désirs, vos rêves. Mais bon, je dis ça, comme j'ai le diable, vous voyez. Oui. Après, parfois, peut-être que certains cancers sont tellement dévoués, hein, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de très gentil, de très... Hein, peut-être que certains cancers sont tellement dévoués qu'ils en oublient leurs propres besoins et qu'ils refoulent leurs propres désirs. Non, bah, faut certainement pas, non. On peut être dévoué... on peut être dévoué, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Je recouvre le chariot. Il va sortir les cartes à l'envers maintenant. Hein. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle inversé. Alors, le 8 de pentacle inversé. Il y a quelque chose de... Avec le cavalier de pentacle et le 8 de pentacle inversé, est-ce qu'il y a quelque chose de répétitif? Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose de répétitif qui vous ennuie? Mais je le répète, hein, malgré qu'il y ait quelque chose de répétitif avec le cavalier de pentacle, on arrive à son but. Alors, après, le 8 de pentacle à l'envers, inversé, ça peut être une perte de motivation, ça peut être de la frustration. Bien évidemment, c'est possible. Peut-être que oui, perte de motivation et frustration, parce que pour l'instant, ça n'avance pas peut-être comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Après, peut-être que vous êtes dans quelque chose qui vous ennuie et que vous voulez passer à autre chose. On va continuer. Je recouvre le roi d'épée. Ouais, bah vous voulez débloquer une situation, alors clairement. Tiens donc. Bonjour, 6 de coupe. 6 de coupe.
6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe. Le passé, la nostalgie, retourner à ses racines, les enfants, le souvenir, la famille. Ça peut être du soutien aussi. Mais ça peut être aussi le fait que on arrête de vivre dans son passé. Ça peut être le fait que, oui, ouais, peut-être que c'est le fait d'arrêter de vivre dans le passé. C'est possible. Ouais. On peut refuser de voir les choses telles qu'elles sont aussi. Parfois avec le 6 de coupe. Oui. Possible. Peut-être que oui. Il y a quelque chose qui vient de votre passé, peut-être, qui vous bloque, qui vous... Je sais pas. Ouais. Moi, je pense que vous devez vous rendre la vie plus facile, les cancers plus agréables. Vous voyez ? Ah oui, mais c'est ça. Et puis j'ai le pendu. Le pendu, c'est ce que vous voulez. Alors, soit vous voulez quelque chose se mettre en pause. Moi, j'en ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que vous voulez débloquer les choses avec le roi d'épée et le pendu. Oui, je le disais tout à l'heure, le roi d'épée, il recadre les choses, il remet de l'ordre dans un domaine de sa vie. Et moi, je pense que vous ne voulez plus rester coincé. Oui, vous réfléchissez à une situation avec logique, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux? Je ne veux plus rester coincé. Non, alors peut-être coincé dans le passé, c'est possible. Mais peut-être coincé dans une relation, dans un travail, peu importe. Peu importe. Ouais, après tout, ouais, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux? J'ai plus envie de rester coincé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un certain calme qui peut vous permettre de faire face au changement. Il y a certaines évolutions. Ouais, c'est possible. Ouais. On va continuer. Je recouvre le valet de coupe. Oh bah non, j'en veux qu'une. Eh bah dis donc. Ouais. J'ai de nouveau le fou inversé. Hein. Ouais. Bah la justice. Hein. Ouais, la justice. La justice. Elle tranche. Que voulez-vous que je vous dise? La justice, elle tranche. Elle tranche. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous devez prendre des décisions, faire des choix. Oui. Peut-être vous avez besoin d'une période d'introspection. Peut-être que vous devez analyser des choses. C'est possible. Mais pour moi, ouais, vous devez faire des choix. Il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'une décision, d'une solution après. Peut-être qu'on vous demande d'aller au bout d'un engagement. Si ça parle à quelqu'un, c'est possible qu'on vous demande d'aller au bout d'un engagement. Même si c'est chiant, même si c'est lent, même si c'est long, même si c'est pénible, même si vous en avez ras-le-bol. Peut-être que c'est votre défi avant de passer à autre chose. Possible. Bon, c'est possible. Mais après, ouais. Pour moi, la carte de la justice en défi, oui, c'est de trouver une solution. Je vais continuer. Je recouvre le 4 de coupe. Eh ben, dis donc. Waouh. Ok. Ben, ce qui vous aide, c'est la tour. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe et la tour. Alors, le 4 de coupe, on s'ennuie. C'est mou, c'est plat. Mais qu'est-ce que je m'ennuie? Oh, quelle horreur. Ouais. On est dans les regrets, dans l'immobilisme, dans le négatif, dans l'ennui, dans la nostalgie. On avait le 6 de coupe, donc nostalgie, oui, dans la frustration, dans la lassitude. Dans la rêverie, mais là, il y a quelque chose qui va vous réveiller avec la tour. Hein. Mais c'est ce qui vous aide, donc c'est super positif. Ah, complètement. C'est super positif. Pour moi, la tour, il y a quelque chose qui est instable. Donc, comme c'est instable, eh ben, ça se casse là, ça se détruit. Oui. Et il y a une libération salutaire, il y a des remises en question, il peut y avoir de... Oui, on détruit ce qui est bancal. Ce qui vous aide, c'est de détruire ce qui est bancal. Ce qui vous aide, c'est de bouleverser ce qui est en place. C'est peut-être sortir d'une souffrance pour certains cancers, c'est possible. Peut-être rompre, je ne sais pas. Mais oui, reprendre une liberté, sortir de sa zone de confort, peu importe. Peu importe. Ouais. Ouais. Peut-être que certains cancers prennent conscience de certaines illusions et on revient sur Terre. Et tout va mieux, vous voyez, quand on regarde les choses en face. C'est aussi possible, bien évidemment. Ah oui, c'est une guidance générale, il y a plusieurs possibilités, je les donne toutes.
c'est vraiment ça, ouais. Alors, est-ce que vous avez des problèmes? Alors, si certains, peut-être que certains cancers ont des problèmes liés à la loi, à l'administratif. Mais moi, je pense qu'on peut résoudre tout ça, si c'est le cas. Si c'est le cas. Mais tout à l'heure, j'avais la mort. Hein. Là, j'ai la tour. Tout à l'heure, j'avais la mort. Il me semble que j'avais la mort. Hein. Oui. Alors, il peut y avoir la fin d'une relation importante. Il peut y avoir la nécessité de faire des deuils, de tourner une page pour réaliser de nouveaux projets. Aussi. Mais oui, aussi. Ben oui. Peut-être que faut être objectif, parce qu'il y a une période de conflit, peut-être une période de changement brusque. Je vais recouvrir la reine de bâton. Mais de toute façon, la tour, je le répète, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est super bénéfique pour vous. Bah tiens donc, c'est très intéressant. Et la carte des amoureux. J'ai la carte des amoureux. Voyez, l'as d'épée. Regardez les choses clairement. Peut-être sortir des illusions, c'est possible. Sortir d'une dépendance affective, financière, peu importe. J'ai la carte des amoureux et la carte d'impératrice inversée. Oui. Je sais même pas si vous voyez. Oui. Vous avez des choix à faire, vous. Hein. Ah oui, la carte des amoureux. Alors, ça peut être sentimental. Après, pas forcément, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est une idée en général. Mais ouais, ça peut être sentimental complètement. Oui. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, certains cancers allaient ou devaient sortir de leur quotidien. Ouais. Oui. Le 5 de pentacle, le 5 de pentacle inversé. Et ouais. Pour moi, alors le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Quand le 5 de pentacle est, bon, 5 de denier est inversé, on dépasse une situation. On retrouve de l'abondance. On retrouve de la stabilité. Peut-être que vous allez arrêter de vous focaliser peut-être sur des choses qui je sais pas, vous n'avez plus ou qui n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez arrêter de ruminer. En tout cas, vous devez faire des choix avec le 2 d'épée. Oui, vous devez faire des choix. Compliqués, peut-être difficiles, peut-être douloureux. La justice, un bandeau sur les yeux. Le 2 d'épée, un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'on était dans le déni par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, je ne sais pas. Par rapport à son passé, peut-être. Hein. On avait le 6 de coupe tout à l'heure. Mais de toute façon, le 2, c'est la dualité. Ben oui, le 2, c'est la dualité. Le 2 d'épée, ouais, on doit prendre. On doit, ouais, vous devez trancher. Vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions. Vous devez faire face à quelque chose. Pour résoudre quelque chose parce qu'on vit avec quand on vit avec un problème non résolu, c'est chiant, c'est super pénible. 4 d'épée. 4 d'épée, alors. Besoin de solitude, besoin de repos, besoin de calme, besoin de reprendre des forces, besoin de tranquillité. C'est possible. Je vais en mettre une. Allez, une dernière. Avec la reine de bâton et le 4 d'épée. Ok, j'aurais préféré l'avoir à l'endroit, mais bon. Ouais. Alors pour moi, vous devez faire effectivement avec l'as de bâton, c'est le nouveau projet. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction. Il peut y avoir une opportunité très prometteuse qui vous est offerte. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Oui. Après. Il y a une autre possibilité pour moi avec, parce que, alors, bien évidemment, je pourrais dire qu'avec l'as de bâton inversé, il y a l'échec d'une tentative, il y a de la stagnation, il y a des blocages, il y a des retards. C'est possible, c'est possible. Après, au vu de la guidance, il est possible que certains cancers n'arrivent pas à aller de l'avant ou n'ont plus envie de s'appliquer. De s'impliquer, pardon. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous impliquer dans une relation, dans un travail, et que vous avez envie d'en sortir et de vous retrouver eh ben, tranquille, seul, au calme, besoin de temps, besoin de souffler, besoin de remettre de l'ordre dans sa tête, besoin. Vous voyez, c'est complètement possible. Après, si ça ne vous parle pas quand je vous dis ça, il y a une nouvelle direction, vous hésitez à la prendre, vous devez prendre cette nouvelle direction. Peu importe, nouvelle personne, nouveau travail, peu importe. Soit on n'a plus envie de s'impliquer dans quelque chose, ou soit on n'arrive pas à prendre une nouvelle direction et vous devez la prendre. Oui.
Allez, encore une carte pour vous. Les cancers. Du 19 au 25 juin. Cancer, du 19 au 25 juin. Oh ben. Oh. Cancer, du 19 au 25 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers du 19 au 25 juin. Suis ton instinct. Oui, reine de coupe, on suit son intuition. Je vais la poser. Allez, encore une carte pour vous, les cancers. J'ai quand même l'arc-en-ciel. Je vais quand même la lire. Adaptée en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui. Oui, alors je ne vais pas répéter. Hein. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. J'ai dit énormément de choses pour votre guidance, les cancers. Mais je ne vais pas répéter. Mais pour moi, c'est ça. Quand je parlais tout à l'heure de persévérer, de patience, continue et tu feras des étincelles. Oui, ayez confiance en vous, les cancers, pour atteindre votre objectif. Vous pouvez atteindre votre objectif, celui que vous vous êtes fixé. Vous pouvez le faire. Voilà, les cancers. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.